attesté que la transparence chasse la folie. Alléluia. Je suis la sœur Carole Babatunde. Mon vrai disciple, c'est maman Colette Meunier. Quand, en 2000, en 2001 et 2002, between 2001 and 2002, j'étais étudiante en médecine. I was student in medical studies. Et pendant la période des examens, and during the exam, on avait, j'avais, il y a une sœur qui fréquentait l'Académie des mères à Yopougon. And there's a sister who was at the Sea Academy in Yopougon. Elle logeait là-bas. She was lodged there, accommodated there. Et j'avais l'habitude de partir là-bas pour étudier. I used to go there to study. Et quand je vais là-bas, elle venait aux deux plateaux. Les parents Meunier habitaient aux deux plateaux à l'époque. And when I go there, she also comes to deux plateaux, and the Meunier parents were living in deux plateaux. Donc elle venait me laisser sa chambre et elle venait aux deux plateaux. So she left her room to me and she came to deux plateaux. Pour que je sois concentrée pour étudier. For me to be concentrated, focused to study. Et cette année, le diable avait décidé que j'allais tomber dans l'immoralité sexuelle. And that year, the devil decided that I was to fall in sexual immorality. Le diable avait décidé que j'allais tomber dans l'immoralité sexuelle. That year, the devil had decided that I would fall in sexual immorality. C'était une tentation oppressante. It is an oppressing temptation. Je me suis retrouvée quand elle partait à l'Académie des mères. À cette époque, c'était essentiellement les hommes. And at that time, the Academy of the Sea was only men. Elle était la seule femme. She was the only lady. Donc quand elle est partie, elle m'a confié, je connaissais pas Yopougon. Je savais juste que je suis à l'Académie des mères. Je prends mon bus pour aller composer, je reviens. So, I just knew that I was going to Academy of the Sea and I was to take my bus, go and compose and come back. Et elle m'a confié à un de ses collègues. And she entrusted me with one of her colleagues. Et c'est une grande cité. And it's a big residence. Elle avait confiance en moi. She trusted me. Et dans le cours de notre, pendant le temps que j'étais à l'académie, pendant le temps de boss. In the meantime, while I was in an academy, un jour, on a commencé, il m'accompagne, j'ai fini de bosser vers 22 heures. One day I finished studying around 10 p.m. Il est venu me chercher parce que je bossais un peu dans les bois. And he came to seek me because I was studying somewhere down there. Et il y avait des corps habillés qui étaient en formation dans les parages. And there were some soldiers who were in training in the surrounding. Donc quand j'ai fini d'étudier, il était venu me chercher pour me raccompagner. And when I finished studying, he came to fetch me just to accompany me. Et ce soir-là, c'était une petite série de je t'accompagne, tu me raccompagnes. Je t'accompagne, tu me raccompagnes. And that evening it was a series of I see you off, you see me off. I see you off and you see me off. Jusqu'à ce que minuit nous trouve dans ce jeu-là. And until it was midnight in that game. Et la chambre avait deux lits. And there were two beds in the room. À un moment donné, il est resté, il a fermé la porte dans la chambre. And at a certain time, he locked the door in the room. J'étais déjà vaincu. I was really overcome. Je n'ai même pas eu la puissance de dire que tu fais quoi. I did not even have the power to say, what are you doing? Il a fermé la porte, il dit, se fait tard. He locked the door and he said that it's too late. Il s'est couché dans un des lits et puis moi, je me suis couché dans l'autre lit. So he lied down on one of the bed and I was on the other bed. La tentation est une réalité. Temptation is a reality. Et à cet instant, at that moment, c'est comme si j'avais perdu toute sensibilité. It was as if I have lost all my sensitivity. J'étais comme impuissante. I was like powerless. On a dormi. We slept. Vers 4 heures. Around 4. Je sens quelqu'un qui est venu se coller contre moi. I feel somebody coming to lie near me. Là, j'ai senti que j'étais en danger. At that time, at that moment, I felt that
I felt that I was in danger. C'est là que j'ai réalisé que j'étais en danger. It is at that moment that I realized that I was in danger. J'ai commencé à me coller contre un lit d'une place. J'ai commencé à me coller contre le mur. I started to stick myself to the wall. Et il m'a dit, and he told me, faut pas avoir peur. Do not be afraid. Tu es vierge, non? You are virgin. Je vais pas te toucher. I'm not going to touch you. Je vais t'épouser. I will marry you. Donc je suis pas pressé. So I'm not in a hurry. Un bon païen. A good pagan. Dans mon état normal, c'était une chose, c'était une parole qui allait m'ouvrir. Il n'allait même pas pouvoir le dire devant moi. In my normal state, he could not even have said that word near me or to me. Mais cette nuit-là, j'étais vaincu. But that night, I was overcome. Il ne m'a pas touché. He didn't touch me. Mais pour Dieu, le péché avait déjà été commis. But for God, sin had already been committed. Et il est resté comme ça jusqu'au matin. And he remained like that up to the morning. Mon cœur a commencé à battre. My heart started beating. Je sentais que j'avais perdu Dieu. I felt that I had lost God. Je savais que j'avais commis quelque chose d'irréparable. I knew that I had committed something that could not be repaired. Je suis partie à la maison. I went home. On a fini de composer. We finished our composition. Et j'ai demandé à mon collègue, j'ai demandé un rendez-vous, j'ai demandé à la voir. So I told my colleague that I want to see her. Avant cet événement, il y a eu un premier événement. Before that event, there had been a first event. À la gare Nord. That was at a place called Gare Nord. Pour ceux qui connaissent la gare Nord, la station de bus. Those who know the bus station at a place called the bus station in Adjamé. J'habitais au campus. At that time, I lived at the campus of Cocody. Ce jour-là, je suis à la gare. That day, I was at the bus station. J'attendais le bus. Waiting for the bus. Et un monsieur s'approche de moi. And a man came near me. Je peux avoir ton contact. Il m'a salué. Can I have your phone number? He greeted me. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. I gave him my phone number. Et quelques temps après, le monsieur arrive au campus dans ma chambre. And sometime later, the man he came to the campus in our room. Et ce jour-là, c'est le pasteur Antoine Edja. That day, it was Pastor Antoine Edja qui m'a délivré. Who delivered me. Parce qu'au campus, ça dit qu'on ne passait pas une journée, même une demi-journée, sans s'être vu au campus. Because at the student residence, we could not spend a day without meeting. Donc, il est passé, il a vu le monsieur. So he passed by and saw the man. Le monsieur dit qu'il veut m'épouser. And the man said that he wants to marry me. Je ne te connais pas. I don't know you. Tu m'as vu une fois à la gare Nord. You once saw me at gare Nord. Subitement, du coup, je suis ton épouse. And suddenly, I am your wife. Au point où il est venu jusque dans notre chambre. To the point that he came to our room in the student residence. C'était le premier événement. That was the first event. Qui était une grande sonnette d'alarme pour moi. What that was a great alarm bell. Le diable avait lancé une campagne contre moi. The devil launched a campaign against me. Au fond de moi, il y avait une petite pensée qui dit que c'est parce que je suis belle. Oh, je suis belle. Deep down in my heart, there's a voice that told me that it's because I am beautiful, because I'm beautiful. Donc, je reviens donc à ce deuxième événement. Non, je n'ai pas considéré ce premier événement. So that first event, I didn't consider it. So I come back to the second event. Quand je suis sorti de là et quand j'ai mis les deux en parallèle. When I got out of there and I tried to set both events together. Donc j'ai compris que il y a quelque chose qui s'était, il y a un boulevard de mort qui était devant moi. I realized that there was a highway of death before me. Je suis arrivé aux deux plateaux. I got to the plateau. Quand on a fini de composer, je suis allé voir maman Colette. After our composition, I went to meet Mom Colette. Je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé. And I explained to her all that happened. Ce premier dossier avec le monsieur de la gare Nord. That first file with the guy of gare Nord. Et le deuxième avec l'étudiant de l'Académie des Mers. And the second one with the student at the Sea Academy. Je lui ai expliqué qu'il a dormi dans le même lit que moi de minuit jusqu'à 6 heures du matin. I explained to Mom Colette that he slept in the same bed with me from midnight to 6 a.m. En fait, le pasteur Meunier aimait bien dire cette phrase à la transparence chasse la folie. Pastor Meunier used to say that word, transparency cast out madness.
Et le frère Zach avait dit un jour que l'un des secrets du pasteur Meunier, c'est qu'il est un homme transparent. And Brother Zach also said it one day that one of the secrets of Pastor Meunier is that he's a very transparent man. Donc j'avais décidé, j'avais résolu au fond de moi que j'allais être un enfant transparent. So I resolved deep down in my heart that I would be a transparent child. Je n'allais pas avoir de secret pour le pasteur Meunier ou Mam Colette. And that there will not be any secret between me and Pastor Meunier and Mam Colette. Donc quand j'ai fini de j'expliquer à Mam Colette. After explaining it to Mam Colette, elle m'a dit, she told me, tu es mauvaise. You are evil. Ta sœur est restée en cité là-bas pendant combien de temps? Your sister remained in that residence for how many times? Tu allais dormir là-bas un jour, en fait tu allais prendre pour une période et un garçon a dormi dans sa chambre. And you went to sleep there for a short period and a man came to sleep in her room. Dans la chambre d'une vierge de Sion. In the room of a virgin of Zion. Elle m'a dit. She told me. Tu vas aller à la retraite. You will go to retreat. Tu vas aller travailler sur ton cœur. You will go and work on your heart. Délivrance du péché d'adultère et de fornication. Deliverance from sin of adultery and fornication. Et elle m'a renvoyé à la retraite. And she sent me to retreat. J'ai fait une retraite de 3 jours avec jeûne. I carried out a retreat of 3 days with fasting. C'était chez la sœur Malan Hortense à Kumasi. It was in the house of Sister Malan Hortense in Kumasi. Je devais lire le livre et sortir un bulletin de prière. I was to read the book and generate a prayer topic or bulletin. Avant que je ne parte. Before I go. J'ai décidé d'aller voir le pasteur Meunier pour lui expliquer le même problème. I decided to go and see Pastor Meunier to show him the same thing. Je ne me sentais pas libre de continuer ma relation avec lui. And I did not feel myself free to continue my relation with him. Et je suis allé le rencontrer. And I went to meet him. Je lui ai expliqué tout dans les détails. I explained him everything in details. Quand j'ai fini d'expliquer, il m'écoutait. And he kept listening to me while I was explaining him. Quand j'ai fini de parler, when I finished speaking, il ne m'a rien dit. He didn't say anything. Il a glissé, s'est mis à genoux. And he knelt down. Et il a commencé à rendre grâce à Dieu. And he started to give thanks to God. Il a commencé à parler en langue. And he started to speak in tongues. La vérité, c'est que c'est quand il était en train de prier. The truth is that it is the time when he was praying. Que c'est comme un voile qui s'est déchiré de mes yeux. That it was like a veil that was torn from my eyes. J'ai commencé à réagir, dit attends, mais pourquoi il rend grâce à Dieu? Pourquoi il se met à genoux? I started asking questions to myself. Why is he kneeling down? Why is he giving thanks to God? Quand il a fini, il me dit ma fille. When he finished, then my daughter. Est-ce que tu sais que ce jeune homme pouvait te violer? Do you know that young man could have raped you? Moi, je l'ai regardé, je réalisais que c'est vrai. And I looked at him, I realized that it was true. On n'était que deux. There were only the two of us. J'allais dire quoi? What would I say? La porte était fermée de l'intérieur. And the door was closed inside. Il a prié pour moi. He prayed for me. Et je lui ai partagé le travail que mon collègue m'avait donné. And I also shared with him the work that was given to me by my colleague. Il m'a béni. He blessed me. Et je suis partie à la retraite. And I went to retreat. Et c'est en lisant le livre le délivrance du péché d'adultère de fornication. It is while reading the book Deliverance from the Sin of Adultery and Fornication. Du professeur Zacharia Tanifomom. Written by Professor Zacharia Tanifomom. Que je découvre que. That I discovered that. Il n'y a qu'un cadavre pour attirer les mouches. It's only a corpse, a dead body that can attract the flies. Que le fait que les garçons m'aient vu comme une chose à exploiter. That the fact that the men saw me as something that should be exploited. C'est parce que mon cœur était pourri. It was because my heart was rotten. C'est parce qu'il y avait la pourriture. Because there was rottenness in my heart. Et les mouches poursuivaient la pourriture. And the flies were pursuing rottenness. Ce n'était pas ma beauté que les hommes poursuivaient. It was not my beauty that men were pursuing. J'ai arraché cette chose de mon cœur. I removed or snatched this out that thing from my heart. Pendant ces 3 jours, j'ai pleuré devant le Seigneur. All along these 3 days, I cried before the Lord. J'ai fait effectivement le bulletin de prière. And effectively, I wrote the prayer bulletin.
Et j'ai pris des engagements devant le Seigneur. And I took commitment before the Lord. Concernant ma relation avec le sexe opposé. Concerning my relation with the opposite sex. Et j'ai renouvelé mon engagement à être transparente. And I renewed my commitment to be transparent. Quel que soit ce que cela fait à ma réputation. No matter what this, what it could do to my reputation. Et je suis sorti de la retraite. And I came out from the retreat. Pardonné. Forgiven. Délivré. Delivered. Alléluia. Praise the Alléluia. Lord. Praise the Lord. Le Seigneur m'a sorti d'un piège. The Lord saved me from a trap. Il n'en aurait pas été autrement si je n'en avais pas parlé. If I did not speak about that, it wouldn't be otherwise. Certainement que je ne serais même pas ici. Peut-être que je ne serais même plus parmi les frères. Maybe I wouldn't be among the brethren and even here. Parce que cette année, c'était décidé. Il fallait que je tombe dans le péché d'immoralité. Because that year, it was decided that I was to fall in the sin of immorality. Mais Jésus a triomphé. Jesus triumphed. Jesus Christ. Alléluia. Praise the Lord. Offrons d'acclamation à Jésus de Nazareth. Écoutons. Let us listen. Je veux juste rendre hommage au Seigneur. I just want to pay homage to the Lord. Pour cette expérience. For that experience. De vie. Of life. Bien-aimé. Beloved prophet. La transparence. Transparency. Chasse la folie. Cast out madness. La transparence. Transparency. Chasse la folie. Cast out madness. J'en suis un témoin. I am a witness. Que le nom du Seigneur soit célébré. May the name of the Lord be celebrated. Ça n'a plus été jamais le cas. Je n'ai plus jamais dormi dans le même lit qu'un homme endormi. This had never again happened in my life. I had never slept in a bed with a man except my husband. Et certainement le diable savait que mon mari n'était pas loin. Quelques mois après que je me suis chassée. And surely the devil knew that my husband was not far because it is some months later that I got married. C'est un voleur d'opportunité. It was a thief. Gloire à Dieu. Praise the Lord, Jesus Christ. Avec des cris de victoire du président. We shout the victory of the students. Fais la même chose. Do the same thing. Si la nécessité d'être transparent, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. La transparence chasse la folie. Oh, notre Père, notre Dieu. Bénis-nous avec la capacité d'être transparent, Seigneur. Ouvre nos yeux afin de voir, Seigneur, la bénédiction qu'il y a, la délivrance qu'il y a, Seigneur. La restauration qu'il y a, Père de compassion, dans la capacité à être transparent, Seigneur. Le diable n'aime pas la transparence parce qu'il a pour spécialité, le camouflage, le mensonge. Mais lorsque tu es transparent, Seigneur, tu te sens à l'aise, délivré, épanoui, Seigneur. Accorde à chacun de nous, Seigneur, d'adopter la transparence, Seigneur, comme un modèle de vie, comme une vertu, Seigneur. Oh, Père éternel, bénis-nous avec la capacité, Seigneur, de dire la vérité, quel que soit ce que ça va coûter. S'il te plaît, fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Christ. Amen. Amen. Satan, tu as entendu. Démon, vous avez entendu. Et ce matin, ce jour du 22 août 2024, nous bombardons toutes les forteresses de ténèbres, de mensonges. Nous bombons, nous enflammons, nous consumons toutes ces cachettes. Nous délivrons la jeunesse. Attends, tu es un menteur. Bon, nous prions, Seigneur, que toutes les cachettes soient démolie en ce jour et que la lumière qui a jailli, Seigneur, éclaire dans les ténèbres. Oh, que le diable soit méprisé. Oh, que tous les pièges soient consumés. Oh, Seigneur, que les jeunes gens, les jeunes filles se dégagent. Se dégagent.
et que tous les discoureurs de Satan qui ont été postés pour s'assurer que le malheur arrive, nous fermons vos bouches. Nous vous frappons de mutisme. Nous vous frappons de mutisme. Et nous vous frappons de mutisme. Et nous vous frappons de mutisme. Et nous vous frappons de mutisme. Oh, que le salut arrive. Oh, que ce jour de délivrance, Seigneur, s'établisse dans l'église. Oh, Seigneur. Et que le mépris qui a été jeté sur le fait d'être vierge soit jugé. Nous avons entendu cette jeune fille dire à la retraite des adolescents, à quoi ça sert de rester vierge vu que quelqu'un va passer par là un jour. Oh, regarde, que chacun 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 regarde, que chacun. Et nous vous délivrons. Et vous êtes affranchis par la main du Seigneur Jésus-Christ. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur Jésus. Amen. 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 Pendant que tu es là, while you are here, il y a les dirigeants de la jeunesse. There are the leaders of the youth. Pas les petits dirigeants, les grands dirigeants de la jeunesse. Not the small leaders, but the great leaders of the youth. Le manque de transparence peut amener un dirigeant de la jeunesse à vivre dans le péché sans dire. The lack of transparency can lead a leader of a youth to live in darkness without telling people. Les dirigeants vont travailler. The leaders are going to work. Demain matin, ils vont présenter les gens que vous pouvez consulter. Tomorrow morning, they will present people you can consult. Les gens auprès desquels vous pouvez faire des repentances. People to whom you can go and repent. Si tu rentres dans la lumière, if you enter the light, tu entres dans la puissance. You enter power. Ces choses-ci ne sont pas théoriques. Those things are not theoretical. Il y a une sœur. There is a sister. Elle s'appelle la sœur Thérèse. Her name is Thérèse. On avait chassé les démons. We had casted out her demons. Et elle avait été délivrée. And she had been delivered. Mais il y avait des combats qui résistaient. But there were battles, there were resistances. Un jour, one day, elle me dit que Dieu lui a dit. She told me that God de dire tout au told her to say everything to brothers. Bon, je connais la Bible. I know the Bible. Donc je me disais que non, ça c'est la culpabilité. Peut-être il faut la libérer. So I was telling myself maybe she feels guilty, so maybe I should set her free. She's already forgiven. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire laisse faire. I hear the Holy Spirit telling me let her do. Elle a commencé tout ce qu'elle faisait quand elle était petite avec les papa, maman, tout ça là. She started, elle a tout dit. By what she was doing when she was a child, the play, the joke, the plays, like papa, maman. La même semaine. The same week. Je l'ai trouvée, elle voulait balayer. Je la trouve assise sur une marche de l'escalier, le balai à la main, les yeux pleins de sommeil, de fatigue. She wanted to clean the house. I found her on a step of the scale with a sweater in her hand. She was tired. Je lui demande qu'est-ce qu'il y a. Elle dit je suis fatiguée. I asked her what's wrong with you. She said I'm tired. Je suis fatiguée. I'm tired. Je lui ai dit le baobab va tomber. I told her the baobab is going to fall down. Le baobab va tomber.
is the barber who is about to fall down. Allez, ça a viré en même temps. Ça devient une manifestation des démons. It became a manifestation of demons. Démon. Demon. Sors. Go out. Qui es-tu? Who are you? Magie blanche. White magic. Magie blanche. White magic. Comme, je viens de loin. Je viens de loin. Je viens de loin. I'm coming from far. I'm coming from far. Je viens de loin. Je viens de loin. I come from far. Je dis ça, c'est qui encore? Sors. I said, who is this one again? Sors. Go out. Pam, le démon s'en va. Pam, he's gone. Avant de partir. Before leaving. Il disait, et mon tablier, et mon tablier. He said, what about my wardrobe? What about my wardrobe? Mon tablier. What about my wardrobe? Vraiment, on ne comprenait pas l'affaire des tabliers. We could not understand this matter of wardrobe. We said, go. Quand la sœur s'est retrouvée. When the sister came back. On lui demande, quelle est cette histoire de tablier, c'est quoi? We ask her, what is this matter of wardrobe? Elle dit, mon père était cuisinier chez les Blancs. She said, my father was a cook in the White House. Et le tablier, son tablier dans ma valise en haut là. And his apron is in my suitcase. On a descendu la valise. We got it down. On a fouillé tout. On n'a pas vu le tablier. We check everything. We did not find the apron. Donc le démon en partant est passé avec. So the demon leaving left with it. C'est la transparence qui a poussé la délivrance à ce niveau-là. It's the transparency which led the deliverance to that level. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Il y a des choses qu'on connaît parce qu'on est sur le terrain. There are things that we know because we are on the field. Quand tu n'es pas sur le terrain, when you are not on the field, tu peux tromper les frères que non, ça ne fait rien. You can deceive a brother saying no, this is nothing. Le sang de Jésus à la croix. The blood of Jesus to the cross. Tu n'as rien à confesser à l'homme. You have nothing to confess to man. Seulement. Dieu. Just confess to man, to God only, only God. Mais la Bible dit. But the Bible says, confessez vos péchés à vos frères. Confess your sins to your brothers. Priez les uns pour les autres. Pray for one another. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ce sont des choses simples. There are simple things. Il faut les pratiquer. We must practice them. Quand la lumière entre dans ta vie, when the light enters your life, l'autorité, authority, t'est donnée, is given to you. Il y a des frères qui veulent se marier. There are brothers who want to get married. Ils abordent une sœur. They go to a sister. Ils commencent à aller plus vite que tout le monde. They start going faster than everyone. Et ils disent à la sœur de ne dire à personne. And they tell the sister to tell no one. Tu es en danger. You are in danger. Un futur mari. A future husband. Qui commence dans les ténèbres. Who start in the darkness. Ne dit à personne. Tell no one. Jésus-Christ. Jesus Christ. Ça doit commencer dans la lumière. It must start in the light. Un vaillant se marie dans la lumière. A mighty get married in light. Quand c'est comme ça, la sœur est heureuse. When it is like this, the sister is happy. La
La transparence est le fait de te faire connaître. Transparency is the fact of making you known. Par celui qui doit te connaître. By the one who must know you. Tel que tu es. As you are. Et au moment où il doit te connaître tel que tu es. And at the time he must know you as you are. Le fait de te faire connaître. The fact of making you known as you are. Par la personne qui doit te connaître tel que tu es. By the person who must know you as you are. Au moment où il doit te connaître tel que tu es. At the time he must know you as you are. C'est ça qu'on appelle la transparence. This is what is called transparency. Une sœur ou un jeune homme. A sister or a young man. Qui est tenté. Who is tempted. Il ne dit rien. And says nothing. Il évolue dans la tentation. He evolves into the temptation. Il ne dit rien. He says nothing. Il tombe dans le péché. He falls in sin. Il ne dit rien. He says nothing. Il tombe encore enceinte, une femme. He falls again and puts a girl pregnant. Il est coincé parce que la grossesse va dire la vérité. He is blocked because the pregnancy will tell the truth. Et il vient. And he comes. Je me souviens de ton exhortation sur la transparence. And he says, I remember your advice on transparency. Quand je suis venu, il faut que je te sois transparent. So I have come, I must be transparent. Je suis tombé. I've fallen down. La fille enceinte. And the girl is pregnant. Ça, ce n'est pas la transparence. This is not transparency. Dans le contexte des vaillants. In the context of the mighty. La transparence te protège même. Transparency even protects you. Dès que ton cœur passe à gauche, il va à droite. Il va à gauche, il va à droite. Tu te lèves, tu dis, il faut que j'aille dire. As soon as your heart starts going on left and right, you must stand là, up and say, I must go and tell. Ça devient un acte de salut. It becomes an action for your salvation. Un jour, le frère était arrivé. Dès qu'il arrivait à l'aéroport, je lui ai dit, mon cœur va à gauche, il va à droite. One day, brother Zach du came, coup, il a commencé le ministère là. As soon as he arrived at the airport, I told him, my heart is going right and left. On the spot, he started the ministry. Si on lui dit, il est mort, c'est trop tard. When he is told, he is dead. This is too late. La transparence n'est pas pour venir t'enterrer. Transparency is not to come and bury you. C'est pour que la lumière brille. It's for the light to shine. Que tu ne sois jamais tenté d'aller plus loin. And that you should never be tempted to go further. C'est là où la folie disparaît. Et puis, this on parlait de Satan. J'ai suivi les prières. Madness disappeared. And I followed the prayers. La transparence dont nous parlons est pour ta guérison. Ce n'est pas pour many are talking about the devil. The transparency we are talking about is for your healing. Parce que l'homme peut être séduit. Because a man can be deceived. Je vais vous dire une chose. I will tell you one thing. Au Bénin. In Benin. Nous avons remarqué une chose là-bas. We have noticed something, one thing over there. Beaucoup de frères ont été délivrés par les anges qui sont descendus. Many brothers have been delivered by angels who come down. Dans la plupart des cas. In most of the cases. Les anges ordonnaient the angels aux esprits méchants commanded de libérer. The wicked spirits les anges to release. Ne prenaient pas. They didn't take. Ils disaient remettez. They used to say give it back. Il y a un des mauvais esprits qui a dit elle doit prendre elle-même dit non, remets. C'est-à-dire, l'ange voulait dire que la personne même doit prendre. The angel wanted to say the person should take it himself. Non, je reprends. C'est-à-dire, dans les cas de restitution des biens, in the case of restitution of goods, l'ange venait, the angel came, et dit au démon, c'est-à-dire à la principauté, demon, ça peut être un homme ou une femme. Au I mean the principality which can be a man of a man or a lady. Il y a même eu un cas où c'était le python qui a dit que c'est ma fille. Le python dit they c'est had ma fille. A case
Where the python say, she's my daughter. Donc quand l'ange dit, remets. When the angel say, give it back. L'esprit dit, non, qu'elle prenne lui elle-même. The spirit said, let her take it herself. L'ange dit, remets toi-même. And the angel reply, give it back yourself. Et en tremblant, il l'a remis. And trembling, he gave it back. Et le Seigneur m'a fait comprendre que les vraies délivrances, the Lord made me understand that c'est lui-même qui doit remettre ce qu'il a pris. In the true deliverances, is the enemy himself who must give back what he took. Là, la victoire est scellée. There, the victory is sealed. Et le Seigneur a ouvert mon esprit, me dit, tu as vu en Égypte, c'est Pharaon et les Égyptiens qui chassaient Israël, que partez. And the Lord opened my mind to understand and he told me, you see in Egypt, it was Pharaoh himself who told the children of Israel, go, leave this place. Donc, et c'est le démon même qui a pris, qui a remis. And it was the demon itself which took the thing and gave it back to her. Donc, qu'est-ce que Satan fait? So what does Satan do? Satan séduit d'abord. Écoutez ça bien. Satan first deceive. Satan veut te rendre complice. He wants to make you a complice. Il ne prend pas ta main, il met dans la sauce. Tu ramasses un morceau de viande, il met dans ta bouche, tu avales. On dit que tu as péché. He does not take your hand, put it in the saucepan, you take a piece of meat and you swallow it and they say you have sinned. Même dans la justice divine. Even in the divine justice. Si un homme plus fort que toi prend ta main, force à prendre un morceau de viande, lance dans ta bouche, appuie ça, va dans ton estomac, Dieu ne va pas dire que tu as péché. If a man stronger than you takes your hand, put in the saucepan, take a piece of meat, put it in your mouth, and force you to swallow it, God will not punish you. It's not a sin. Dieu a dit aux enfants d'Israël, God taught the children of Israel, bâtissez des villes de refuge. Build towns for refuge. De telle sorte que si quelqu'un tue un homme sans avoir prémédité sur sa mort, qu'il ait un lieu où il peut se cacher. So that if someone kills another man without planning it, he should be a place where he can go and hide. Si tu prends la hache, tu coupes l'arbre, le fer sort, ça tue un frère. Le diable même, il ne veut, ce n'est pas ce qu'il veut. Le diable veut que tu prennes, l'homme prenne la machette et dit, j'arrive. The devil wants someone to take the machete and say, I'm coming. Le diable veut que l'homme assume. He want men to bear the responsibility. Et donc il incite l'homme, il dit mange. So mange. He encourage. Ça peut durer 10 ans. Il va te dire mange jusqu'à ce que tu acceptes. It can last 10 years. He will tell you eat till the time you accept. Là, ça ne sera plus devant Dieu que le diable a péché, c'est ton péché. There it will not be before God that the devil have sinned. It's you who sinned. It's your sin. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le péché. Sin. Est un acte planifié par le diable. Is an action planned by the devil. Il te séduit. He first deceive you. Il te séduit. He deceives you. Il peut te montrer les richesses. He can show you the riches. Il peut te faire avoir des sentiments de honte. He can make you have feeling of shame. Et tu te dis, moi je ne veux pas avoir honte. Et tu poses l'acte contradictoire. Me, I don't want to be ashamed, and you do what you should have not. Le péché. Sin. Te séduit d'abord le diable. First, the devil séduit. First deceive you. Eve a été séduite. Eve was seduced. Si le diable prenait le fruit, lancé Eve, dans sa gorge, the devil ça descend, ce n'est pas un péché. Had taken the fruit and launched in a throat and it goes down, it would won't be a sin. Si le diable te dit, tiens, if the devil say, tiens, ce n'est pas grave. Take. Tiens. This is not bad. Tiens. Take. Ne crains pas, c'est bon. Fear not. Dès it's que good. Tu tends ta main. As soon as you lay your hand,
Tu es déjà complice, tu es tombé. You are already a complice, you have fallen. Tu es tombé. You are fallen. Donc, dans la transparence, so, in transparency, il y a un effort volontaire de sortir des ténèbres. There's a voluntary will to get out of darkness. Tu dis, il ne faut pas que je meure ici, je fuis. So, I must not die et here. Je m'en vais, je m'en vais. I flee, I'm running and Dieu going to tell. Dieu te bénit. Quand tu fais ça, Dieu te bénit. When you do so, God bless you. C'est pour ça qu'il dit qu'après avoir été éprouvé, la personne reçoit une couronne de vie. This is why it is said that after having gone all those trials, the person receives a crown of life. Quand tu es tenté, when you are tempted, les cieux, heavens, te regardent, are watching you. Il y a une image de la chute. J'avais reçu ça. Je crois que nous étions au Sénégal. There is an image of the fall of man. I think I received it when I was in Senegal. Le Seigneur m'a montré que tous les enfants de Dieu sont assis avec lui dans les lieux célestes. The Lord was showing me that all the children of God are sitting with him in the heavenly realms. Donc la tentation est une grande bataille. So temptation is a big battle. Parce que quand tu tombes, because when you fall, c'est comme un ange qui quitte le ciel pour tomber sur la terre. It's like an angel leaving heaven to fall on earth. Et le Seigneur me faisait comprendre que c'est le sens primaire de l'expression il est tombé. And the Lord was making me and was making me understood that is the first sense, significant of the fact of saying that he has fallen down. Et j'avais commencé un message, je n'ai pas encore prêché ça. Le titre c'est la chute des anges. And I had started a message. I have not yet preached it. And the title is The Fall of Angels. Et le Saint-Esprit me disait que la Bible dit que tous les enfants de Dieu sont assis dans les lieux célestes. Chaque péché, quand tu pèches, tu tombes. And the Lord was making me understand that every children of God are sitting in the heavenly realms. And when you commit a sin, you fall down. Le diable a péché, on l'a chassé, il est tombé. The devil sinned. He was casted out and he has fallen. Et le Seigneur me faisait comprendre que la chute n'est pas un phénomène banal. Quand on dit il a chuté, nous voyons seulement qu'il est tombé dans le péché. Non, c'est plus grave que ça. C'est qu'il a quitté sa place et il est tombé. And the Lord was making me understand that when we say that someone has fallen, we see it as a simple thing, but it's not as simple as that. When someone commits sin, he has fallen from heaven. Tu quittes le ciel. You leave heaven. Tu tombes. And you fall down. Si tu te repens bien, if you repent well, Dieu te pardonne. God forgives you. Et il te replace sur ce que la Bible appelle sur tes lieux élevés. And he replaces you on your high places. Oui, c'est ce qui se passe, frère. This is what happened, brothers. La tentation est une épreuve très grave. Temptation is a very, very big trial. Donc ne dis pas je suis transparent, le diable écoute-moi. Non. So don't say I am transparent. Satan, listen to me. No. Si vous avez bien écouté, if you have listened well, Sister Carol, à un moment donné, ce n'est pas l'affaire du diable, c'est toi-même, tu veux ça, tu aimes ça. At a time, it's not the matter of the devil, it's yourself. Le you frère, want that and you love it. Voici ce que le frère Zach enseignait. This is what Brother Zach was teaching. Il dit, he said, quand nous aurons chassé tous les démons, when we will chase all the demons, abandonner tous les péchés, abandon all sins, si nous ne traitons pas le moi, if we do not treat the ego, le moi va restaurer tout ce que nous avons jeté. The ego will restore all that we are from. Le moi est un the Dieu. The ego is a God.
Et il disait le moi c'est toi-même. And he used to say the ego is yourself. C'est plus que le diable, c'est toi-même. It is no more the devil, it's yourself. Le moi, the self, c'est the ego is yourself. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est pour cette raison qu'on a vu la trinité satanique, il y a le monde, le diable et la chair. Quand quelqu'un veut boire la bière, où est le démon dedans? Il veut, c'est ça, partout là, ça veut la bière, sa chair veut la bière. This is why we have seen the satanic trinity, the world, the devil, and the ego. The ego is yourself. When someone wants to drink beer, it is himself, his flesh wants to drink beer. Un jeune homme, a young man, me disait que il lui arrivait d'être rempli de convoitises à tel point qu'elle voulait sauter sur sa sœur. Elle voulait bondir, c'est le mot qu'il utilisait. A young man told me that sometimes he coveted so much his sister that he just wanted to jump on her. Il prend ses sous-vêtements qui sont séchés, il met dans ses narines pour sentir le. When she spread her panties, he went and put it on his nose to sneeze them. Le moi, the ego, peut te faire ramener tous les péchés. Can make you bring back all your sins. Vous êtes jeunes, vous n'avez pas connu le frère. La plupart, ceux qui l'ont connu, ils faisaient du moi, la guerre contre le moi était radicale. As you are young, most of you did not know Brother Zach, but he used to make the war against the self a main matter. It is a self, 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 self. He used self, to say self, moi, self, moi, self, moi, self. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a des choses qu'il faut faire consciemment. You must do consciously. Pour que toi-même tu sois soumis à Christ. So that yourself you should be submitted to Christ. Un frère. A brother. Qui ne pardonne pas son frère. Who does not forgive his brother. C'est quoi? What is? C'est le moi. It is the self, the ego. C'est le moi. It's the self. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le moi peut te faire quitter là. Tu quittes, tu vas te coucher. The ego can lead you to leave this place. Comme il s'amuse avec moi. They are joking with me. Le moi c'est quoi? Pour rien. For nothing, le yourself. On peut dire ici, vente passera des livres. On dit, ne courez pas, venez doucement. On dit, venez maintenant. Allez, ça, c'est moi. Est-ce que c'est un démon? Non. Is that demon? C'est le moi. It is the self. Washmani disait que l'homme est un esprit qui possède une âme qui habite dans un corps. L'homme est un esprit. Washmani said, a man is a spirit which dwells in a body. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le moi, the self, peut te faire bouder, tu boudes. Can make you complain. Pendant des semaines. During weeks. Pour rien. For nothing. Après, tu décides que tu vas rire. And later, you decide that you will laugh. Tu es satisfait, tu ris maintenant. On dit, hey, frère, tu es joyeux aujourd'hui. Elle dit non. And when you are satisfied, you start laughing. And people say, oh, you are happy today. Il y a un jeune homme, il marchait avec des filles. There is a young man who used to walk with demandé, girls. Est-ce que tu es déjà tombé dans le péché? I asked him, have you already fallen il m'a in dit, sin? Non. He said no. Mais je marche avec une jeune fille. But I walk with a young girl. J'ai peur que les camarades vont se moquer de moi.
I'm scared about the fact that my friend will laugh at me. Que je n'ai pas de copine, donc je marche avec elle. I don't have girlfriend. So I work with her to protect myself. Oui. You see? C'est le moi. It is the self. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Et nous avons un disciple à Douala. We have a disciple in Douala. Il travaille à l'hôpital. He il works, travaille à l'hôpital. He was working at the hospital. Et une nuit pendant les gardes. And a night. Une nuit pendant la garde. During his. Une nuit pendant la garde. When she was on duty one night. Une dame lui a dit. A woman told her. Tu n'es pas un homme. You are not a man. Toi comme ça, tu n'es pas un homme. You like that, you are not a man. Il nous dit. He tells us. Qu'il est tombé dans le péché d'adultère. That he fell in the sin of adultery. Parce qu'il n'a pas accepté. Because. Que femme lui dise que. Lui n'est pas un homme. Because he didn't accept the fact that a woman tells him that you are not, he's not a man. Il lui a dit attends. He said wait. Attends moi je vais te montrer. Wait, I'll show you. C'est comme ça qu'il a commencé son histoire d'adultère. That's how he started the story of adultery. C'est juste pour contribuer ce que le moi peut faire. Just to contribute what the self can do. Un frère m'a appelé un jour. A brother called me one day. Il était fâché. He was angry. Il m'appelait de France. He was calling me from France. Il dit ma femme quand je bois un peu d'alcool, elle se fâche. Elle dit que je ne dois pas boire. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce qu'on ne doit pas boire? He said, my wife, when I drink a little alcohol, she got angry. Is it written in the Bible that we should not drink? Il était sûr que ça devait être un grand débat. He was sure that it must be a big talk. Je lui ai dit, la Bible dit. I told him, the Bible says. Si tu manges de la viande. If you eat meat. Et si c'est une occasion de chute pour ton frère. And if it is an occasion to fall for your brother. Tu ne manges plus de viande. You eat no more comme meat. Comme ta femme n'aime pas ça, tu arrêtes. As your wife doesn't like it, you stop. Jésus-Christ. Jesus Christ. Il n'a plus ajouté un mot. He added nothing else. Le moi est réel. The self is real. Dieu ne peut pas jeter les gens dans le lac de feu pour rien. God cannot throw people in the lake of fire for nothing. Le diable sait. The devil knows. Que Dieu veut que l'homme pour juger l'homme, il doit avoir commis un péché volontairement. That to be judged, a man should have committed a sin with his own will. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? S'il y a un problème dans un couple, if there is a problem in a couple, la personne the person qui va payer le prix pour que la paix règne, c'est cette personne qui est un enfant de Dieu. The person who will pay the price for peace to reign is the one who is a child of que God. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. The Bible says, happy are people who give peace. They will be called children of God. Une femme qui insulte son mari, a woman qui pousse son mari qui donne un coup de pied, insult a husband, push him, vont aller à l'enfer. Both will go to hell. Les deux. Both. Il y a des frères. There ils, are brothers ils frustrent leurs femmes. Who frustrate their wives. Et puis ils prennent une retraite. And they go on a retreat. Ça c'est zéro. This is zero. Zéro. Zéro. Zéro, 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 zéro. La Bible dit. The Bible says. Si tu vas offrir une offrande. When you are going to make si a gift. Si tu te rends compte que
ton frère a quelque chose contre toi. If you notice that pas your que brother, toi, tu as quelque chose. Toi, tu es saint, tu es pur. Mais ton frère, you notice that your brother has something against you, not that you are contre toi. Il te reproche quelque chose. He reproaches something to you. À tort ou à raison. Being right or wrong. Qu'est-ce que la parole dit? What does the word tu laisses d'abord ton offrande. You first leave your offering. Tu vas vers ton frère. You go to your brother. Tu te réconcilies avec ton frère. You reconcile with him. Tu viens prendre l'offrande. You come and take your offering. Pour aller offrir à Dieu. To go and give it to God. Si cette règle est mise en pratique. If this rule is put into practice, toutes les querelles conjugales finissent le même jour. All the quarrels in the couple stop the same day. Le même jour. The same day. Mais quand les gens n'obéissent pas à cette règle d'or. But when people are not obeying this rule, this gold rule. Quelqu'un peut frapper sa femme et puis se met à genoux, il parle en langue. Amen. Someone strike his wife and kneel down and start speaking in tongues. Avant, cette parole dit, avant de parler en langue de cette manière, va d'abord. This word says, before talking in tongues like this, go first and seek reconciliation. Maintenant. Now. Si tu es fautif, si tu es conscient que tu as mal agi. If you are guilty, if you are aware that you have done the wrong thing. Tu dois aller demander pardon. You must go and ask for forgiveness. Si c'est toi qu'on a offensé. If you are the one who has been offended. Tu dois pardonner sans condition. Tu ne dois pas dire il faut qu'il vienne me demander pardon après je veux pardonner. Tu pardonnes inconditionnellement. Oui, you forgive with no condition. You must not say that he must come and ask me to forgive him before I forgive. Quelqu'un te suit, vraiment ta tête, tu dis je te pardonne. Someone insults you, you say I forgive you. Vraiment son nez, tu dis je te pardonne. Say look at his nose, you say I forgive you. Chaque dès qu'il t'offense, tu pardonnes. Every time he offends you, you forgive. Tu es saint. You are holy. Si Jésus revient, tu es prêt. If Jesus comes back, you are ready. Tu es prêt. You are ready. On te gifle. You are slapped. Tu montres l'autre joue. You show the other jaw. Amen. Amen. C'est ça, frère. That is, brothers. Ce n'est pas, ne faut pas le diable. Non, tu veux faire une prière. Satan, je te connais. Tu es petit. Non. Don't see the devil ce everywhere. Que nous faisons là. You want to pray, you say, Satan, I know you. Ce n'est pas par rapport à Satan. No, what we are doing is not regarding Satan. En tant que ministre de délivrance. As ministers of deliverance. Ne pose aucun acte. Do nothing. Relatif à la sainteté. Parce que tu veux vaincre le diable. Non. Related to holiness because you want to overcome the devil. No. Tout ce que tu fais. All that you do. Fais-le pour la gloire de Dieu. Do it for the glory of God. Lis pour nous 1 Corinthiens 15, verset 30. Read for us 1 Corinthians. Verset 30 à 32. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthians 15. Verset 30 à 32. 1 Corinthiens 15, verset 30 à 32. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Pardon, 1 Corinthiens 10.
Please, 1 Corinthians. Si c'est déjà dans les périls, là nous sommes loin. C'est chapitre 10, pardonnez-moi. It's chapter 10 instead. 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 30 au verset 32. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Amen. Vous voyez, ce passage ne s'adresse pas aux démons. You see, this passage is not addressed to demons. Tout ce que vous allez faire, all that you are going to do, tu manges, you are eating, tu bois, you are drinking, fais-le pour la gloire de Dieu. For the glory of God. Ça sanctifie déjà tes œuvres. It already sanctifies your deeds. Et ne soyez pas en scandale aux païens, aux religieux. He said, don't be in scandale. To pagan, to religious, even to the church. Si tu poses un acte, if you do something, un jour le frère Zach est venu. One day, brother Zach came. Une sœur nous a donné sa voiture. A sister gave us a car. Un frère devait conduire. And the brother was to drive. Nous étions au début de l'œuvre. Tout ce qui était là était merveilleux pour nous et tout nous encourageait. We were at the beginning of the walk and everything was an encouragement for us. Donc on allait là, zzz, quelqu'un gênait le frère. Il a dit, connard. J'ai tremblé, j'ai dit, hé hey, Seigneur. On a mis le frère ça où maintenant? Comme c'était un père intelligent et sage, il est resté calme. Tim, please help me. How do you say "conna" in English? He said, "You fool." J'ai dit que je suis resté là calme. I remained quiet. Ça se veut dire que si le frère n'est pas un homme spirituel, son message peut changer en même temps. This, if brother was not a spiritual man, his message would have changed. Il y a des choses qu'on ne fait jamais. There are things we never do. Parce que Dieu ne veut pas. Because God doesn't want. Si une femme pardonne à son mari, if a woman forgives a wife, ce n'est pas parce que le mari est sage, her husband, it's not because the husband is intelligent or wise. Si un homme pardonne à sa femme, if a man, a husband, forgives his ça wife, ça ne doit jamais être parce que la femme est intelligente ou sage. It should never be because the wife is intelligent or wise. Quand tu penses à la gloire de Dieu, it's when you think about the glory of God, tu laisses. You just forgive. Et quand tu penses à l'église, and when you think about the church, aux frères et sœurs, to the brothers and sisters, comment et combien ils vont souffrir, how and how much they are going to suffer, en apprenant tes œuvres, when they will learn, they will hear your work, about your works, tu laisses tomber. You just forgive. C'est fini. It's finished. Quand les frères vont venir pour te consoler, non, c'est bon, frère, j'ai compris. When brothers will Dieu m'a parlé, c'est fini. To comfort you, you just say, brother, it's okay. God has spoken to là, me, and it's okay now. Tu es un fils de Dieu. You are a son of God. Tu veux que les frères demeurent en paix. You want brothers to remain in peace. Tu es grand. You are great. Même si les gens ne te connaissent pas. Even if people don't know you. Dieu te connaît. God knows you.
Dieu te connaît. God knows you. Même si les gens ne veulent pas te voir. Even if people don't want to see you. Dieu aime te voir. God likes to see you. Quand tu marches, il t'aime. When you are walking, he loves you. Même si tu as un seul pied. Even if you have only one leg. Il va te donner même les choses qu'il ne donne pas aux gens qui ont les deux pieds. He will give you things that he is not giving to people who have two legs. Il va te rendre visite. He will visit Vous you. Vous allez causer. You will chat. Il va t'appeler homme bien-aimé comme il appelait Daniel. He will call you beloved man as he called Daniel. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Sanctifions notre œuvre. Let us sanctify our work. Je ne parle pas de la CMC, c'est-à-dire notre œuvre, ce qui est dans tes mains, ton travail pour Dieu. I'm talking about what is between your hands, your work for God. Rends cette œuvre glorieuse. Make this work glorious. Ne le fais pas par rapport à l'ennemi. Do not do it because of the enemy. Beaucoup de personnes Many people se sanctifient pour fuir les oppressions. Sanctify themselves to flee oppressions. C'est bien. It's good. Mais c'est petit. But this is small. C'est petit. It's small. Ça ne devrait pas être seulement pour ta sécurité terrestre. It must not be only for your earthly security. Ça doit être par rapport à la gloire à venir. Because of the coming glory. Un jour, je me suis dit. One day, I told myself. Si Dieu n'existait pas. If God. Si Dieu n'existait pas. If God didn't exist. J'allais être le plus malheureux. I would have been the most miserable. Mais comme Dieu existe. But as God exists. Je suis béni. I'm blessed. Parce que Dieu n'oublie personne. Because God forgets no one. C'est écrit dans Hébreu. It's written in Hebrews que ton travail ne sera jamais oublié. That your work will never be forgotten. Qu'est-ce que la Bible dit? What does the Bible say? Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Be submitted to one another in the fear of Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Un exemple. An example. Vous là. You. Tenez-vous debout. Stand up. Asseyez-vous. Sit down. Tenez-vous debout. Stand up. Venez ici. Come here. Et ne courez pas. Don't run. N'est-ce pas, je suis fort. Brothers, I'm strong. Mais ils sont bénis parce qu'ils craignent Dieu. But they are blessed because même si je suis méchant, even if I'm wicked, Dieu va me laisser mourir avec ma méchanceté, mais il va les bénir. God will let me die with my wickedness, but he's going to bless him. Ils craignent Jésus. They fear Jesus. Et ils acceptent ce mauvais traitement. And they accept this bad treatment. Ne te révolte jamais. Never revolt. Fais ton travail. Do your work. Allez-vous asseoir. Please go and sit down. Dieu te voit, fais ton travail. God sees you. Do your work. Ce que tu sais faire, fais-le, fais-le encore, fais. N'attends pas qu'on te dise merci. Fais-le seulement. What you know how to do, do it. Don't wait for people to say thank you to you. Do it. Just do it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Tu peux te révolter. Toi, you can mais pas les démons.
Not demon yourself. Ne le fais jamais. But don't do it. Ne le fais jamais. Never do it. Reste calme. Remain quiet. Fais ton travail. Do your work. Ne te renie pas toi-même. Do not deny yourself. Sois toi-même. Be yourself. En esprit et en vérité. In spirit and in truth. Dieu te voit. God sees you. Et Dieu t'aime. And God loves you. Vous savez? You know? Beaucoup ont des combats dans leur famille, la persécution. Many are going through battles in the families, like persecutions. Certains sont combattus dans les églises locales. Some are fight in the local church. Il y a certains frères qui ont menti sur certains frères. There are some brothers who lied on some brothers. Ça, c'est petit. This is small. Faut pas te décourager. Do not be discouraged. À Korogo. In Korogo. Il y avait un frère mal affermi là-bas. There was a weak brother over there. Il est parti à l'adoration. He went to the worship, to the Sunday service. On a dit quelque chose sur lui. Something was told against him, about him. Parce qu'il m'a dit qu'on a dit, soit on a prophétisé sur lui. Because he told me. Et il était découragé. They prophesied on me, on him, and he was discouraged. Quand il est rentré. When he went home. Pour montrer qu'il est découragé. To show that he is discouraged. Il a commis la fornication avec trois jeunes sœurs. He committed fornication with three young sisters. Une est tombée enceinte. One fell down, fell pregnant. Quand il a su, when he knows, il a ramassé beaucoup de comprimés. He took lot of piles. Il voulait maintenant mourir. Now he want to die. Et on m'a appelé. And I was called. Je lui ai dit, mettez-le dans le car, qu'il vienne vite ici. I told them put him in a car, in a bus, and let him come quickly here. Quel est ce découragement? What is this kind of discouragement? Qui cherche les sœurs? Which six sisters? Oui. You see? Trois. Plus une grossesse. Plus une pregnancy. Et pour clouer, pour couronner tout ça. And to crown all of that. Les comprimés. Piles. La menace. The threatening. Il veut mourir. He wants to die. On allait enterrer un corps douloureusement. We would painfully go and bury a body. Quand il est venu, when he came, j'ai pris la guitare, je jouais à la guitare, je ne lui disais rien même. I told him nothing. I just took my guitar and played. D'abord le voyage, Korogo à Abidjan a dû bousculer certaines choses dans sa tête. First, the trip from Korogo to Abidjan does shake something in his head. Je jouais à la guitare. And later on, I played the guitar. J'ai constaté qu'il a commencé à rire et à se réjouir. And I noticed that he has started to laugh and rejoice. Et nous l'avons restauré. And we restored him. Il est rentré. And he went back. 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Chapitre 4 verset 8, pardon. 2 Corinthiens chapitre 4. Verse 8. Commence au verset 7. Start by verse 7. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir de verset 7.
Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous si sommes... je proclame que je suis puissant en Christ. Say, I proclaim I'm powerful in Christ. Là où tu es. Where you are. Tu es de l'argile. You are a clay. Et Dieu a déposé un trésor en toi. And God has put a treasure in you. Continue. Go on. Nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes pressés de toute manière. We are pressed. Il y a des pressions. We have pressures. Toutes sortes de pressions. Any kind of pressures. Mais. But. Non réduit à l'extrémité. Nous ne sommes jamais réduits à l'extrémité. We are not put to the last step. Ça c'est ton portrait. Il ne faut pas accepter le contraire. This is your description. Do not accept ça, the contrary. Ça c'est notre portrait robot. This is our robot description. Pressé de toutes les manières. Press everywhere. Mais non réduit à l'extrémité. But not il n'y a rien dans ce monde qui peut nous mater jusqu'à nous réduire, écraser. Rien. There is nothing on this earth which can press us and reduce us to nothing. Nothing on earth. Il n'y a pas ça sur la terre, dans les eaux, il n'y a pas. Under earth, in the heavenly places, in the waters, there is nothing. Ensuite, dans la détresse, quand il y a la détresse, when there is distress, mais non dans le désespoir. Nous ne sommes jamais désespérés. We are never desperate. Jamais. Never. Si tu es déjà désespéré, tu es malade. If you are already desperate, it means that you are sick. On doit t'amener aux soins intensifs. You must send you to intensive cares. Tu es malade. You are sick. Un enfant de Dieu. A child of God. Dans la détresse. In distress. C'est pas de désespoir. But never desperate. Jamais, jamais. Never. Ne dis pas je veux boire les comprimés, je préfère mourir. Don't say I will drink pills. I better die. Si c'est comme ça, je rentre même dans le monde. If it's like this, I will go back into the world. Ça n'existe pas. It does not exist. Si ça existe dans ta vie, if it exists in your life, tu n'es pas normal. You are not normal. Tu n'es pas normal. You are not normal. Continue. Go on. Persécutés, même quand nous sommes persécutés. Even when we are persecuted. Persécutés dedans, persécutés dehors. Inside, persecuted outside. Comme il dit, crainte dedans, lutte dehors. It's a fear inside and fight outside. Qu'est-ce qui arrive? Mais non abandonné. Dieu ne nous a jamais abandonnés. God has never abandoned us. Il n'y a personne ici qui peut dire que quand il était persécuté, Dieu a enlevé ses mains sur lui. There is no one here who can say that when he was persecuted, God removes his hands. Il y en a même qui n'ont jamais été persécutés. There are some who have never been persecuted. Moi, j'ai fait la prison. Me, I went to prison. On m'a frappé sous la plante des pieds. I have been stricken on my leg. À cause de l'évangile de Jésus. Because of the gospel of Jesus. Quand le policier frappait, pam, je disais gloire à Dieu. When the policeman was beating me, pam, I was saying praise the Lord. C'était en 82, je pense, je voulais être comme les apôtres. 82, I wanted to be like apostles. Il frappe la pam, j'ai dit merci, gloire à Dieu. When he beat, pam, I said thank you, dit, praise the Lord. Dis? He said, what are you saying? Il dit gloire à Dieu. I said praise the Lord. Alléluia. Amen. Après, on me pose des questions. Later, I'm ask some questions. Je voulais vous montrer comment Dieu n'abandonne personne. I wanted to show how God never abandoned someone. Je ne connaissais rien sur le droit, rien. I did not know anything on rights. Quand ils ont fini, ils m'ont donné un document à signer. When they finished, they gave me a paper to sign.
Moi qui ne connaissais rien du droit, j'ai dit je ne signe pas. Me who didn't know anything, I said I don't sign. Il dit pourquoi? Je dis vous m'avez frappé. Or j'étais en train de citer le droit au niveau élevé. They asked me why. I said you struck me. What? I was quoting the right at a high level. Il dit vous m'avez frappé. I said you have beaten me. Donc on m'a mis dans une cellule. So I was put in a hole. On attendait que je signe pour qu'on me défère. They were waiting me to sign so that they send me to prison. On a même, je dis, je ne signe pas. They send it back. I say I don't sign. Au troisième jour. At the third day. Le commissaire principal 5 étoiles m'appelle. The principal of the commissaire, he came and called me. Il a lu mon nom. He read my name. Il a vu que nous étions de la même région. He saw that we are from the same region. Il a voulu être paternel. He wanted to be paternal. Il dit, amen. La religion de nos pères, l'Église catholique. He said, amen. The religion of our fathers, the Catholic Church. Et puis je regarde sur sa table, il y avait des figurines. And I watched on his table, plein les chapelets. Lot of chaplets and statues. Rien que ça là, j'étais déjà rempli. Only this, I was filled. Dès qu'il a fini, as soon as he finished, j'ai dit que non, non, non. I said no. Tu vois, tout ça c'est l'idolâtrie, tout ce he que said, tu as. All that is. Is idolatry. Jésus Christ. Jesus Christ. Il a dit quelque chose, je ne sais pas si c'est le français ou l'anglais. He said something, I don't know if it was French or English. J'ai entendu derrière moi, boum, quelqu'un, quand je regarde derrière, il y a un policier qui est là, garde-vous. I heard before me, boum, and when I was watching behind, I saw a policeman like this. Il dit, ramène-le. He said, take him back. On m'a remis dans la cellule. I was put back into the small room. J'ai crié les chances. So I have spoiled my Mais chances. Dieu était là. But God was there. Dieu était là. God was there. Après, je me suis rappelé que les apôtres priaient en prison. Je me suis mis à bombarder à prier. Later on, I remember that apostles used to pray in the prison, so I started praying. J'avais le zèle des jeunes convertis dedans. Hein? I have the zeal of a new converted inside. Après, je prie. Et le policier dit, hey, il prie pour nous. Later, I pray, and the policeman said, oh, he's praying for us. Cinquième jour. Fifth day. Le commissaire adjoint m'a appelé. The vice of the commissaire came. Il m'a posé une question. He asked me a question. Je lui ai dit j'étais en classe quand on m'a appelé. I was in the classroom when people called me. Qu'il y a une jeune fille qui me cherche. That a young girl is seeking me. Qu'on m'avait mis en prison. It was because of prêcher l'évangile. Put in prison because I have preached the gospel. I have misled her and I have given her my doctrine. Et là, ça dit, donc c'est elle qui t'a appelé. She just said, oui. Dit, so she's the one who called you. Non. Relaxez jusqu'à nouvel ordre. I said, yes. He said, no. Launch it. C'est-à-dire, il a trouvé une faille pour me sauver. It means that he found a hole to save me. Non, Dieu n'abandonne pas les gens dans No, God does not abandon people in persecution. Jamais. Never. Là, tu deviens, je suis témoin, tu deviens intelligent. I am a witness. You become intelligent. Je ne sais pas qui m'a dit que si on te frappe, tu ne signes pas. Personne ne me l'avait jamais dit. I don't know who told me if you are beaten, you don't sign. Never. Et si je partais en prison? And if I had gone to prison? D'abord, j'étais sorti de la classe. Mes effets étaient restés
Les camarades ont pris ce temps pour garder. First, I was out of the classroom and all my stuff left behind me. My mate took some to keep. Et j'ai préparé l'examen du probatoire. And I was preparing the examination of probatoire. Quand je suis revenu de là, when I came back from there, j'ai révisé rapidement, j'ai eu le probatoire. I revised quickly, we go on the test, and I succeeded. Dis, je proclame. So I proclaim que quand je suis persécuté, that when I am persecuted, le Saint-Esprit de Dieu m'assiste. The Holy Spirit of God support me. Jésus l'a dit et c'est vrai. Jesus said that and it's true. Quand tu vas te sanctifier, when you will sanctify yourself, il faut que ce soit pour la gloire de Dieu. It must be for the glory of God. Ne rabaisse pas ta sanctification. Do not down your sanctification. En disant aussi, il faut que je me sanctifie. Le diable risque de m'attaquer. Non, non. By saying, le diable là. I must sanctify myself because the devil is about to attack me. Notre Père. Our Father. Garde même les oiseaux. Keeps, take care. Et garde les païens. Quand j'étais païen, birth, Dieu me gardait. And he keeps safe the pagan. When I was si, a pagan, si tu vérifies God ton was histoire, taking care of me. If you check your story, il y a des frères et sœurs parmi vous. Leurs mères ont tenté d'avorter. Ils ont bu les médicaments que les autres boivent. Rien ne s'est passé. And brothers, in your midst, their mother tried to commit abortion on the pregnancy, but nothing happened to them. Ils ont même doublé la dose. Rien ne s'est passé. They even doubled the dose, but nothing happened. Qui te protégeait? Who was protecting you? C'est le Seigneur. It is the Lord. Il disait que celle-là, he was saying this one. Il faut qu'elle naisse ou qu'il naisse. She must come to life. Parce que je dois l'utiliser. Because I must use her. Alléluia. Amen. Et c'est pour cette raison que tu es vivant. This is the reason why you are alive. Il y a certaines personnes parmi vous. There are some people in your mind. Ils sont atteints. Ils ont le sida. There are HIV. They have HIV. Les gens meurent. Tu ne meurs pas. People die. You are not dying. Et tu ne vas même pas mourir demain. Et tu ne vas même pas mourir demain. And you are not going to die tomorrow. Pourquoi? Why? La main de Dieu est sur toi. The hand of Jesus of God is on you. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Si une maladie qui tue les gens peut frapper, tu seras là debout, tu pleures, tu n'attends les gens, tu es là. A disease which kill people can strike people. You will bury people, but you will remain alive. Tes persécuteurs regardent chaque matin si tu te portes bien. Chaque matin, tu es là. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Your persecutors watch every morning if you are still alive. But every life you are there saying Jesus is powerful. La même maladie, certains contactent ça le matin, le soir ils sont déjà décédés. The same disease, some will catch it in the morning and in the night they are already dead. Et le diable vient te tromper que Dieu ne t'aime pas. And the devil can deceive you. Tu as plusieurs manières de te prouver qu'il t'aime. God has many several manners to show you that he loves you. Tu es béni. You are blessed. Tu es béni. You are blessed. Continue la lecture. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Abattu, mais non perdu. On peut venir là, on dit que un frère est décédé, ton père est mort. Mais tu sens une main qui te garde émotionnellement. People can come and tell you that a brother is dead and you are sad. But you feel a hand which keeps you emotionally.
En 2022. In 2022. On a eu un accident, c'est ça, en 2022. We had an accident. À la croisade. On a perdu beaucoup de frères. We lost a lot of brothers. Quoi, 10 frères. Ou 9. Between 9 or 10. Parce qu'il y avait des blessés. Because there are some who were just wounded. J'étais là. I was there. Je me suis assis. I sat down. Les démons ont commencé à se manifester. On a commencé à chasser. C'est-à-dire, pendant que je cherchais la première phrase. Dans tout ce malheur-là, je vais commencer par quelle phrase? In all this unhappiness, I didn't know by which sentence I should start. Le Saint-Esprit a démarré la réunion. The Holy Spirit started the meeting. Il savait que s'il me laisse, je vais commettre beaucoup d'erreurs de communication. He knew that if I stood up, I would commit lot of errors of communication. Je vous dis, les démons fuyaient. On n'a même pas commencé la prière. We had not even started the prayer. Je n'avais même pas encore dit la première phrase. Was fleeing. I had not said the first sentence. Quand tu as le discernement, when you have discernment, Dieu veut vous dire, God wants to tell you, vous n'êtes pas perdu, hein? Attention. You are not lost. Be careful. Il y a la détresse, mais vous n'êtes pas perdu. Allons-y. You are not distressed, but you are not lost. Go on. Ça se passe comme ça. It's what's happened. Alléluia. Amen. Donc, si tu pardonnes à quelqu'un, c'est so, juste. If you forgive someone, ce n'est pas parce qu'il est intelligent. This is, it's not because he's intelligent. Parce que Jésus demande ça. It's because Jesus asked that. Tu le fais dans la crainte de Christ. You do it because you fear Christ. Tu seras béni. You'll be blessed. Tu le fais. You are doing it. Dans la crainte que l'Église sera scandalisée. Because you are scared to scandalize the tu church. Tu te dis non, je ne dois pas scandaliser les païens. Ils risquent de s'endurcir. You say I must not scandalize the pagan. They must harden the heart. They may harden the heart. Si nous faisons ça, if we do so, nous avons sanctifié le camp. We have sanctified the camp. Et nous ne serons plus les mêmes. And we will never be the same. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together?